Bonjour, bienvenue sur cette chaîne de kinésithérapie pédiatrie pour les petites astuces. Donc c'est des vidéos courtes et aujourd'hui on va parler du rot du bébé. Donc on connaît bien cette position-là pour faire faire le rot au bébé en tapotant gentiment. Sauf que certains bébés vont pas réussir à faire le rot comme ça. En fait, le rot c'est une histoire de trouver une angulation adéquate à votre bébé pour qu'il puisse faire son rot. Et donc cette position-là, c'est cette angulation-là pour le bébé. Mais certains, en fait, vont avoir besoin d'une angulation comme ça, voire comme ça. Il est possible que votre bébé, en fait, ait besoin, alors tout doucement, puisqu'il est encore en train de digérer, que vous ayez besoin d'incliner un petit peu votre bébé aussi à droite, à gauche, ou de le prendre comme ça, et puis de faire tout doucement. Voilà, et là en faisant juste ça, il est possible qu'il fasse son rot comme ça quand vous trouvez une angulation adéquate. Attention quand vous allez en arrière, ne pas aller trop en arrière, sinon il faut tenir la tête. Hein. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça avec votre petit bébé, ça devrait suffire. Vous avez aussi cette position-là où vous faites, là j'ai un bébé qui est pas articulé au niveau du tronc, mais où vous faites une sorte de petit pendule avec son bassin et ça peut aider aussi. Voilà, j'espère que ça aidera en tout cas la maman qui m'a demandé la vidéo et puis d'autres parents qui sont sûrement sur les mêmes questionnements. Petit rajout, certains bébés s'arrêtent au milieu du biberon pour faire un rot et reprennent ensuite. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut voir dans le domaine du rot du bébé. Donc voilà, ne pas s'inquiéter du tout, hein. Chaque bébé a sa manière de faire et si vous avez perçu ça, c'est très bien. Et voilà, adaptez-vous à votre bébé. Il n'y a pas de règles. Il y a des règles complètement générales pour les bébés, mais aussi il y a chaque cas particulier est à prendre en compte. Et je vous souhaite des jolies découvertes avec votre bébé.